À tous les amis, XXL2, votre rendez-vous 100% Dominos Ligue 2, comme chaque vendredi à partir de 19h. L'équipe du vendredi, Dorian Vemel de malligue2.fr, ça va Dorian? Salut, ça va? Forme, ça va très bien. Ah. Et Sofiane, il est content? Content d'être ici. C'est vrai? Ouais, t'as ouvert la chemise comme Adele de To Be Free. Exactement. je sors d'une séance PEC, donc... Très bien, ça te va très bien. Juste pour pas faire de reflet à Daniel Luboya et Fabien Moi, j'ai pas Audard. De reflet, c'est bon. Moi, le reflet. Juste sur tes joues, mais ça va. Okay. Salut les Winamis. On est là pour vous donner les meilleures cotes, les meilleurs pronos sur la 24e journée de Dominos League 2. On va regarder le sommaire en image, on y va. On va parler de Lorient, qui peut venir titiller les équipes de tête. Déplacement à Grenoble ce soir. On va se poser la question, est-ce que les Lorientais ne seraient pas finalement un peu sous-estimés? Voilà, on va se poser la question. On parlera aussi de Sochaux, des recrues qui ont brillé face au Clermont Foot la semaine dernière. Est-ce que le Mercato peut sauver les Sochaliens de la relégation? Confirmation attendue ce soir à Béziers. Et notre invité XXL2, ce sera Rémi Dugimon, l'attaquant de l'AJOCR. Bel invité ce soir. Il sera avec nous au téléphone. Sympa pour Mehdi Bostefa la semaine dernière. Pour parler de la GIA, de la belle période de la GIA. Et puis de ça aurait pu faire mieux. Le club bourguignon. Tu aurais pu avoir Lucien Agoumé pour qu'il nous parle de son futur club, l'Olympique Lyonnais. Tout à fait. Mmh. Ça sera pour tout à l'heure. D'accord. Voilà. Mais ça sent déjà le truc. Flo Maurice, il tourne autour depuis déjà un an. Et oui, les mecs sur le chat, allez la GIA, machin. Bonsoir à tous les Winamis. Et justement, les Winamis, on va vous offrir un petit freebet de 10 euros avec la question traditionnelle du vendredi. Quel joueur a inscrit le premier but du dernier multi Ligue 2 de vendredi dernier? On se casse pas la tête. Point d'exclamation quiz, c'est un joueur de Châteauroux. Il a été marqué à Châteauroux, ce but. De la tête. Peut-être. Sur corner. Ben, si tu le dis. On parle de Lorient, de Grenoble. C'est dans la causerie. On y va. Voilà, c'est ça le problème du chat. Ça, faut qu'on arrive à se coordonner avec le chat un jour. Bah, quand on est dans une émission foot, on nous demande s'il y a des amateurs de tennis, Hubert. Et quand on est dans une émission tennis, ils disent, excuse-moi, pour la Ligue 2, c'est possible. C'est la magie de Winamax. On n'est peut-être pas sur le bon fuseau horaire, les amis. Les matchs de la 24e journée, on va les mettre à l'écran. Grenoble-Lorient, 3 PFC, c'est deux belles affiches de ce soir. Clermont qui va essayer de se relancer après sa défaite à Sochaux face à un Valenciennes largement diminué. Orléans qui reçoit Le Havre, mais ça c'est décalé ça, non? Orléans-Le Havre, en fait, c'est décalé demain. Ça non, c'est Lorient. Est-ce que c'est demain? Ajaccio-Niort, Nancy-Châteauroux, Restart, Gazélec et Béziers-Sochaux. Orléans-Le Havre, on a Orléans-Le Havre. Non, Orléans, c'est ce soir, c'est Lorient-Orléans. Lorient-Orléans, c'est la semaine prochaine. Voilà. Je savais qu'il y avait Orléans, il y avait un truc bizarre. Bon. Non, on va bien l'avoir ce match, c'est victoire de et du Havre d'ailleurs. Samedi, belle affiche, Lens-Metz, il y aura du monde à mon avis à Bollard. Et lundi. Et le choc entre Brest et Auxerre, on en parlera avec Rémi en fin d'émission. Lens-Metz, ça me rappelle 98, ça. J'étais pas né, mais je le sais. Enfin, si, j'étais né, mais... J'ai pas né, Oui, c'était Lens qui finit champion et Metz deuxième. Tout à fait. En Ligue 1. En Ligue 1. En D1, pardon. Tout à fait. Voilà. Merci pour le programme. Bon, Grenoble-Lorient, on est tous d'accord pour dire que c'est un peu grâce plutôt à Lorient qu'à Grenoble, parce que Grenoble, en ce moment, c'est la petite chute, en ce moment, Grenoble. C'est une affichette. On en parlera tout à l'heure de Grenoble. On va commencer par... on va commencer par mettre les codes de ce match. Dorian, Lorient à 3 points de la deuxième place. Il y a un bon coup à faire, mais... Mendes, Claude Maurice ne sont pas là. Ah, Constantine face à Lille. J'ai mis. J'ai pas vous parler de ce match. C'est bien. J'ai pas cliqué. On l'a cote à 1,40 but de Boun Ahmed. J'ai pas cliqué. Voilà. Premier buteur Boun Ahmed. C'est un peu mieux comme ça, mais j'ai pas cliqué. C'est quoi ça? J'ai pas cliqué sur les Berbères. J'ai pas. Là, c'est bon. Grenoble-Lorient. Mais qui a tapé ou qui a cliqué sur Constantine? Je sais pas. C'est. Ah, d'accord. Au Soudal Kinshu. Grenoble, tant que ça s'affiche, 2,67 qui est légèrement favori. Et Lorient est à 2,90. Ah ouais, pas mal. Franchement, Grenoble, ça marque un peu le pas. Et oui, Lorient lance, c'est bien relancé, mais c'est vrai que le gros point noir pour Lorient, c'est la grave blessure de Claude, pas Claude Maurice, de Mendes. Oula, fin de saison. Au genou, fin de saison, rupture des ligaments croisés. Donc, et Lindsay Rose est parti pendant le mercato en Grèce. Donc, pas de vrai spécialiste au poste. Mickaël Landreau, interrogé par Maxi Ligue 2, mardi, le Rose est parti. On savait que De La Place pouvait faire le taf. Ouais, sauf que sûrement lui aligné. Mais je crois que De La Place, il est forfait aussi, non, ce soir? Il me semble. Il était annoncé. Ouais. Il était annoncé. J'ai pas vu les tout derniers. On verra sur la compo. Mais du coup, ouais, c'est quand même. De La Place, c'est pas un vrai spécialiste, même si Landreau dit qu'il peut dépanner.
ça reste quand même un pur milieu de terrain. Enfin, en tout cas, de la place, on a toujours connu au milieu, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, puis Mendes, on savait qu'il a porté pas mal offensivement. Donc, à voir. Après, si surtout commences... Claude Maurice. Moi, surtout la blessure de Claude Maurice là, pour ce soir, qui m'embête pour Lorient. Parce que c'est clairement le numéro 1 en attaque. On va en parler juste après de Pierre-Yves Hamel. Il va beaucoup manquer. Pierre-Yves Hamel qui a plus marqué depuis un très long moment. Courté, pareil, qui n'est pas forcément en confiance, les deux attaquants, les deux avant-centres. Donc voilà, moi c'est plus la blessure de Claude Maurice et à Grenoble c'est jamais évident, bon bloc quand même Grenoble, bonne défense. Donc voilà, petit doute sur la capacité à Lorient à marquer ce soir. Ouais, mais au-delà du match de ce soir, est-ce que tu peux bricoler comme ça jusqu'à la fin de la saison avec une défense et mettre de la place, on sait que c'est un putain milieu, hein. Donc le mettre défenseur, la semaine dernière il a quand même mis Étouin aussi latéral alors que c'est un milieu. De toute façon, il n'y a pas de spécialiste. Voilà, donc à voir comment ils vont gérer la fin de la saison. Je crois que tu ne peux pas te permettre de bricoler en Ligue 2 sur ta charnière, sur tes ailiers, sur tes latéraux sans en payer les frais à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est très important, la blessure de Mendes. Est-ce que ça va casser la bonne dynamique? On va regarder les chiffres de Lorient. Je ne suis pas certain de Lorient ce soir. Sur les 4 derniers matchs, les 3 victoires et une seule défaite, ils sont plutôt en forme. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on les a un peu... sous-estimer les Lorientais pour au moins la montée? C'est pas sous-estimer, mais par exemple, la défaite, c'est une défaite à domicile contre le Gazélec Ajaccio où ils sont, je sais plus, 60 minutes à 11 contre 10. Donc en fait, c'était cette irrégularité-là qui faisait que Lorient, pour moi, faisait pas partie des prétendants à la montée directe en tout cas. Après, Lorient, clairement, c'est toujours une équipe sur laquelle on doit compter pour le top 5. Mais voilà, il y a moins que l'année passée. Mais il y a toujours un peu cette forme d'irrégularité qui m'embête chez Lorient. Ils n'ont pas encore trouvé l'image de Metz. Metz, voilà, c'est clinique, efficace. Lorient, on ne sent pas cette puissance dégagée de... Voilà, une semaine, ils vont être très, très bons. Et la semaine d'après, ça va être encore un peu poussif. Très fort au Moustoir. Ouais, voilà, c'est surtout à domicile. Et du coup, là, ils prouvent qu'on peut compter sur eux. Mais moi, par exemple, ce soir, j'ai peur que ça coince un peu. Voilà, on l'a dit, il y a des absences. Et c'est une équipe aussi assez jeune, hein. Rien que le gardien, Mélier, qui s'est imposé dans les buts, qui est encore jeune. Enfin, voilà, je trouve que ça manque encore un peu de bouteille pour cette équipe, pour vraiment faire partie des... De calcium pour la promotion. 3,50 pour monter en Ligue 1, Lorient. Cette promotion, vu que ça englobe les play-offs, pourquoi pas. Donc, ouais, les play-offs, ça... De les voir éventuellement monter... C'est l'objectif, les barrages. Ne pas faire les barrages, ce serait... Minimum. Après, là aussi, il nous expliquait dans... 4 points d'avance sur Clermont. Il nous expliquait dans l'émission sur beIN Maxi League 2 qu'il volontairement il réduisait son effectif... Pour, je fais ça sur Football Manager aussi. Je préfère avoir un effectif réduit et que personne me casse. Non, c'est juste que personne me casse les couilles quand il ne joue pas. Tu vois, je pense qu'il est plutôt dans cette réflexion. Et l'année passée, ce qui s'est passé. Ouais. Par contre, en Ligue 2, je suis pas sûr du choix, parce que si tu regardes quand même Metz, la profondeur, elle est quand même exceptionnelle. Tu regardes Brest aussi, il y a du banc. Eux, les voir avec si peu de joueurs et te retrouver avec un milieu de terrain en latéral pour jusqu'à mai. Ça me paraît vraiment, vraiment dangereux comme approche en Ligue 2. Donc, oui, pour la promotion, éventuellement, je pense que c'est quand même la troisième équipe la plus talentueuse de Ligue 2. C'est pas une surprise de le dire. T'es d'accord? Ouais. Oui, bien sûr. Donc, la promotion, ça peut être une idée. Après, Brest, mais ils sont pas à l'abri de Brest, connaissent un coup de mou aussi, et pour la deuxième place. C'est casse-gueule quand même la promotion en Ligue 2, parce que on rappelle, t'as deux matchs à jouer en aller-retour, et avant la Ligue 1. Après, t'as la Ligue 1. Ouais. Claude Maurice, donc on n'a pas dit il n'est pas là. On va quand même regarder les stats de l'homme providentiel de Monaco. 4 buts, une passe d'ess pour Alexis Claude Maurice. Ouais. Il va manquer et il y a l'équipe justement de Maxi League 2 qui nous a parlé de ce joueur. On va les écouter. Ils nous donnent leur avis sur le joueur de Lorient. Pour eux, c'est la révélation de la saison. C'est surtout François Rabier qui a le micro. Pour lui, c'est la révélation de la saison. Et l'interview complète sera retrouvée la semaine prochaine. On regarde. Claude Maurice, c'est clairement le jeune joueur, pour moi, le plus... pas le talentueux, parce qu'on va voir, c'est des jeunes joueurs. On va pas trop anticiper. D'autres vont peut-être se révéler sur le tard. Claude Maurice porte clairement l'attaque de Lorient depuis le début de la saison. Pierre-Yves Hamel a un petit coup de moins bien en ce moment. C'est Claude Maurice qui rattrape les coups. Il l'a montré ce week-end, il sait tout faire. C'est un super joueur, tout simplement, Claude Maurice. Quel but ! Il est vraiment très con, ce mec.
Voilà, c'est la révélation de François. Oui, bien sûr, oui, oui. Bah, les, mais en même temps, c'est notre révélation depuis le début de saison. François Rabillé. Il nous copie. Tu peux te la raconter hein, sur ta chaîne, machin. Ici, on l'a dit dès septembre. Il nous copie. En fin d'émission, on aura son combiné aussi à François. Et la semaine prochaine, les trois, dans une très belle interview. Ils sont très drôles, très décalés, très, très sympa. Une très belle équipe. Mais au-delà de la vanne, on l'avait dit, c'est vrai qu'on en parlait depuis le début de la saison. L'année dernière, on avait commencé à le voir. Ouais, mais il jouait moins. Il était pas. Là, c'est tout le temps. Chaque match, il était titulaire. Et je garde de la petite analogie que j'avais faite, c'est qu'il me fait penser à Florent Malouda. Oui, il y a de ça. Donc si ça peut nous faire un nouveau Florent Malouda, bon, il faut qu'il gagne un petit peu en muscle. Grenoble en forme, non. Contrairement à Lorient, on regarde les stats de Grenoble, ça va vraiment pas fort. 2 défaites et 4 matchs nuls sur les 6 derniers matchs. Ouais, j'ai pas trouvé, c'est gris, genre en mode il fait froid, genre en mode ouais, t'es pas obligé de l'expliquer. C'est pas le meilleur truc que j'ai pu faire. On va pas se mentir. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Grenoble, qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Est-ce qu'ils sont enfin à leur place? On va le dire, ils sont 9e, 35 points. Bah, c'est bien, c'est même bien. Oui, un promu. Franchement, promu. Non, mais on en a beaucoup parlé dans le début de saison, dans cette émission. Pourquoi pas. C'est une belle surprise. C'est le promu qui fait National Ligue de Ligue 1. Ouais, bon, ils étaient, en soirée depuis septembre, tu vois, bien apprêtés, beaux gosses et tout. Puis là, on est le lundi matin. Ça y est, quoi. Le réveil pique. Non, mais je pense que 9e pour eux, c'est bien. Franchement, c'est début de saison, on leur a dit après 23 journées, t'es 9e. Je pense que c'est clair. En plus, t'es encore un peu au contact des play-offs. J'ai pas regardé exactement à combien de points, mais ils sont toujours dans la course. Ça manque de qualité globalement. Mmh. Chargui a marqué la semaine dernière, mais il était sur une série sans planter. Donc, non, je pense qu'ils sont à leur place, nos amis Grenoble. Romain Grange. Ouais, ça c'est un bon joueur. Ça, c'est une super pioche. On le voit, il est déjà. Ça, c'est par Clermont? Non, Niort, Paris FC aussi. Paris FC. D'accord, ok. Pas clairement. Pardon. Et ouais, non, belle pioche. Ça, c'est une belle pioche parce que ça va amener un peu de qualité devant. Bon ça pied. Manquait un peu, ouais. Bon pied, ouais. Surtout très bon pied sur les coups de pied. Bon passeur. Sachant que Grenoble, c'est une bonne équipe sur coups de pied arrêtés. Ça va leur apporter beaucoup. Mm. Après, non, je pense que Grenoble, c'était une belle surprise. On l'a dit, on n'attendait pas à avoir Grenoble si haut. Mm. Et là, je pense qu'ils sont rentrés un peu dans le rang, mais c'est logique. Et je pense que. Bon, Philippe Hilberger, il est ambitieux, il a dit « moi, j'ai pas envie de jouer à la 15e place, etc. » C'est tout à fait normal. Quand on a si bien débuté, on a envie d'y rester et de jouer au tableau. Mais s'ils se maintiennent tranquillement comme ça… Châteauroux, pardon. Autour de… Ouais, aussi. Non, mais j'ai pensé, parce que Emmanuel Imourou, qui est un copain, a joué avec lui. Donc je me demandais où il avait joué, donc c'était bien Châteauroux. Bah quoi, non, mais c'est vrai. Scrabble qui demande s'il y aura une grille, bien évidemment, il y aura la traditionnelle grille payée par Dorian. On n'a pas été très bon. 5 sur 7 5 sur 7. Ah, 5 sur 7 ouais. Ça paye pas grand-chose. Ah, c'est clairement. On saute sur. Clairement, ils nous ont tués. Sochaux-Clermont. Franchement, Sochaux-Clermont. Ouais. Sochaux, ils ont fait 8 arrivées, 8 départs. Yoann Molo décisif. On enchaîne avec rapidement 3 PFC. C'est l'autre gros match de ce soir. PFC à 3-0. Du coup, je ne vous ai pas demandé, Lorient ou Grenoble? Match nul. Grenoble. Grenoble. Ah d'accord. Ah ouais. Donc la côte boussée. Je suis désolé. Oh, non, bah, allez, on enchaîne. Les absences à Lorient me 3 PFC. Rapidement, on est un petit peu en retard. 2,75 pour 3, 3,05 pour le PFC. Et 2... Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cotes? C'est équilibré. Difficile celui-là. C'est pas simple. Franchement. Hein. PFC costaud, 3, on ne sait jamais. 3, c'est 3 pas qui mal, est hein. Très à l'aise contre les gros. Ça gagne contre Lens, contre Lorient, contre Auxerre. Ça fait le nul contre Metz et Brest. Ça aime les gros. Et par contre, capable de perdre. Parce que PFC, c'est un gros. En tout cas, c'est une grosse défense. Ah oui, hein. Ouais, ils sont quatrième, d'accord, mais est-ce qu'en soi, ils ne sont pas en surperformance par rapport à ce qu'ils font? Je trouve pas, moi. Je trouve pas. C'est costaud. C'est costaud, d'accord. Ils misent tout sur le bloc défensif, quoi. Ouais. C'est surtout ça. Maintenant, à 3... Et être costaud comme ça, ça tranche avec Lens, même Clermont, Le Havre, qui sont juste derrière, qui sont assez d'accord, mais on est d'accord pour dire qu'il y a plus de qualité à Clermont, Le Havre, Lens. Oui, ah bah ça joue clairement mieux à Clermont. Il y a beaucoup d'équipes. Lorient, c'est peut-être l'équipe qui a le plus de qualité l'année dernière. Ça les a pas empêchés de ne pas monter. Bah écoute, moi je trouve que la cote de 3 est belle. Ok. Nancy-Châteauroux, pourquoi? Parce que je voulais avoir ton avis, Dorian, il y a Alain Perrin, il est en roue libre. Ça tire à balles réelles sur ses joueurs, il est tranquille. Bah, de toute façon, il est arrivé, il a dit moi je serai jamais entraîneur de Nancy. Bon, on a vu. La question du journaliste après le dernier match, la pelouse, il dit qu'est-ce qui vous a gêné, je sais plus ce qu'il a dit. Oh, la pelouse était un peu humide. Elle était un peu humide. Il tire à balles réelles sur ses joueurs. Il dit que c'était une escroque. Non, mais en fait il est arrivé, comme je disais, il est arrivé, il a dit oh, « moi, je serai jamais entraîneur et tout, c'est fini. » Bon, 2 semaines après, il est entraîneur. Et je pense que lui, en gros, c'est un peu son dernier… C'est même pas un challenge, en fait. On lui a dit « s'il te plaît, aide-nous à nous sauver. » Il a dit « ok, je viens. » Mais en gros, si ça descend, il dira sans doute bah, « de toute façon, l'effectif n'était pas assez solide. » Et puis,
j'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, en fait, je pense qu'il prend ça, et je pense qu'il se prend pas la tête, en fait. Il est là pour essayer de sauver le club, mais sans... Ok. Voilà, je pense que c'est un peu... il fait son max, mais il est conscient que ça va être difficile, quoi. Il y a Roll Moukoudi invité sur le plateau de Bichon. Ah, il existe encore. J'aimerais bien savoir ce qu'il dit, justement. Ah, le petit... la cote boostée de cette 24e journée de Ligue 2, 3, Clermont et Lorient qui gagne, elle est à 13. Ouh. Tu vois, même si tu ne penses pas que Lorient va... Ça, quand même, à 13, petit billet, quoi. C'est souvent, on n'est vraiment pas loin, ces cotes boostées. On en a passé beaucoup. Clermont, c'est cadeau. 3, pour moi, ça rentre, mais Lorient, ça ne rentre pas. Ouais, mais c'est invité. À 13. Oui, à 13, je la joue. À 13, tu peux tenter. À 13, je joue, bien parce sûr. Parce que vous en pensez... oui, sur le chat, je ne sais pas si on peut faire un petit message aux traders, parce qu'elle est à 10 sur le site. Ah. Donc, alors qu'elle est à 13, ça serait peut-être bien de la mettre à 13 pour que... Attends, je leur envoie un petit message, t'inquiète. Allez, vas-y, fume-les. En attendant, il y en a un qui prendrait cette cote boostée, c'est François Rabillet, toujours, notre expert sur Beansport, présentateur de Maxi League 2. On l'écoute, il a le même combiné. Trois, quatre... Bon, je demande un peu de silence. Clermont-Valenciennes, alors c'est intéressant parce que je parlais des équipes qui font du jeu. Non, non, mais je vais un peu développer. Non, mais parmi les équipes mal classées, coup de chapeau à Réginal Ray qui, malgré le mauvais classement de son équipe, fait jouer son équipe et c'est assez, assez agréable pour un mal classé. Je dirais quand même avantage Clermont qui me paraît au-dessus, oui. Le PFC, je dirais 3. C'est pas très beau, 3. Mais ça revient bien, ça prend des points et si tu prends individuellement le 11 troyen, il n'a rien à envier avec ce qu'il y a au-dessus, sauf qu'ils ont très mal débuté la saison et là ils reviennent fort, donc je dirais 3. Je dirais Lorient, terriblement sous-coté à mes yeux, parce que c'est vrai que Mickaël Landreau a mauvaise presse auprès de plein d'observateurs. Moi je trouve que le Lorient de cette année est très très différent de l'an passé, c'était une équipe très inconstante, qui semblait de l'extérieur pas très impliqué et appliqué dans ces matchs. Il y avait des trous parfois dans la saison, des trous même dans le même match. On pouvait les voir faire une super première mi-temps et complètement se rater ensuite. Là, ça me paraît un peu plus constant. Parfois, ça manque un peu d'efficacité devant. Mais moi, je pense qu'il faudra compter sur Lorient en fin de saison. Il faudra compter sur Lorient en fin de saison. Ouais, interview pour la semaine prochaine. Très sympa. Voilà, François, un des experts de cette Ligue 2 en France avec nous, qui prendrait cette belle cote boostée qui vient de passer à 13, les amis. Ça y est, c'est officiel. On passe au Zoom. Ah non, juste avant, une petite question, je serais bête. Quel remplaçant a marqué un but au bout de 20 secondes de jeu avec Châteauroux, toujours à Châteauroux, le week-end dernier, il est rentré, 20 secondes de jeu, il a marqué. Ancien Monceau. Exactement. Ouais. Quel remplaçant a marqué un but au bout de 20 secondes de jeu le week-end dernier, c'était avec Châteauroux. On passe au Zoom, on parle de Sochaux. Je déteste quand tu ruines les jingles. Il y a des gens qui bossent pour ça, et toi tu... Quelle idée de c'est gueuler. C'est plus fort que moi, c'est... J'irais Nabil Fekir. Une expérience The Voice. Allez, Sochaux. Le mercato de Sochaux qui a... Les recrues ont brillé la semaine dernière face à Clermont. On va regarder en image ce qui s'est passé la semaine dernière. Trois recrues, Bayala, Saki et Molo. Un but pour Bayala, un but pour Saki, et une passe d'aise pour Molo qui a vraiment été... sur son petit enjeu très, très incisif, très percutant. Comment tu le trouves, ce mercato ? Momo Sissoko, moi, ça reste quand même un peu l'énigme de ce mercato. Ouais. Il va mettre du temps à revenir. Je suis d'accord avec toi. Mais sur le reste, le petit Rokia qui va peut-être s'installer, il y a encore un doute sur le fait qu'il s'installe. Ça, il a joué qu'en réserve. Enfin, exactement. Tu es l'expert marseillais. Voilà, sur les matchs amicaux, sur ce que j'ai vu avec la CFA, très fort, gros potentiel. Je suis content qu'il ait un peu de temps de jeu avec Sochaux. On verra s'il s'installe titulaire. Il n'est pas passé devant Amavi, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ça, il y a un mec qui s'appelle Rudy Garcia sur le banc. Donc, ouais. Et Saki, tu nous en parleras toi tout à l'heure. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, notamment deux phrases. C'est bien. Ta petite insolence, tu vas vite te la ranger. C'est pas parce que tu es la minorité que tu as le droit de parler. Excusez-moi. Ouais, non, on va se calmer. Excusez-moi. Comment tu trouves ce mercato ? Est-ce que ça peut vraiment les sauver ? Déjà, ça a porté ses fruits sur un match face à Clermont. Non, bah, c'est intéressant. Bah, déjà, tous les flops de Baskonia sont partis. Bon, c'est ça y est, Inigo Martinez est parti. Ouais, ça y est, plus personne. Baskonia, c'est parti. À la limite, ça aurait été bien qu'il garde Demirovic, peut-être, qui était peut-être l'un des seuls. Oui, il a flambé avec un doublé, puis après, c'est. Ouais, bon, les codes, on va les afficher. Sochaux qui est favori à Béziers. Et non, franchement, c'est intéressant sur le papier. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Momo Sissoko, c'est quand même la grosse énigme.
Je pense que c'est plus pour le nom que... Sur le terrain, je ne suis pas sûr que ça puisse apporter vraiment, parce que là, il sort quand même d'expériences très exotiques et on a complètement perdu de vue ce qu'il faisait. Par contre, on a vu direct, bah, Yala, bah, on connaît, à Lens, c'était... Voilà, il n'a pas su s'imposer, mais il n'était pas catastrophique. Moi, je trouve qu'il avait un petit quelque chose. Saki, c'était un très bon joueur la saison dernière à Auxerre. Donc ça peut permettre de le relancer. En plus, il est revanchard et tout, donc je pense que ça peut être bien. Molo, pareil, on avait perdu sa trace en Russie. Visiblement, il a des jambes puisqu'il rentre, il fait la diff. Donc, ça donnait quoi, Molo? Ça peut être intéressant. En Russie, ça a donné notre ami Molo 5 buts, 4 passes décisives avec son petit club russe. Il est parti après au Zénith Saint-Pétersbourg, flop total. Ouais. Et en gros, si tu regardes, il y a 4 saisons et petit à petit, il joue de moins en moins. Ouais. Après, franchement, je me suis remis dans ses stats Ligue 1. Et c'est pas dégueulasse. Ah, mais c'est une belle pioche. Hein. Entre les buts. Ah bah, Saint-Etienne et Caen, il est. Ouais, les buts, ouais. Même à Monaco. Les buts, ouais. Les passes décisives, certes, c'est une sorte de pétard mouillé, parce que je pense dans la tête, on est sur un Geoffrey Jourdain. C'est ça, il s'est vu peut-être un peu. De champ. Mais par contre, techniquement, avec ses pieds, ses petits espaces, petits appuis, moi, je me rappelle, c'était très, très fort. Tu penses qu'en Russie, c'était son plus nul match? C'est son plus nul match. Non, mais après, quand tu arrives à faire croire, entre guillemets, ou à taper dans l'œil du Zénith. C'est quand même que tu as fait une bonne saison en championnat avec ton petit club, c'était pas mal. Après, sur la durée, c'est pas un mec sur qui tu peux compter. Et d'ailleurs, ils ont compris, les Sochaliens, ils savent que c'est juste pour la fin de saison. D'ailleurs, tout leur recrutement, c'est pour la fin de saison et pas au-delà. Mais moi, je pense que sur ce recrutement, à long terme, ça va, enfin, dans 2-3 matchs, ça va pas le faire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as plein de joueurs qui arrivent comme ça, ils veulent se montrer sur la première rencontre. Tu as Molo qui fait un bon match, les deux mecs qui marquent. Voilà, mais après... pour construire un collectif autour de ça sur les, oui, sur les prochaines rencontres. Oui, mais par rapport à l'arrivée avant, voilà. C'est pas mieux de tout changer. Je trouve que c'est un all-in sans sens. De toute façon, le problème, c'est qu'il y avait tellement de nationalités différentes et de recrues de divers horizons avec Baskonia, ça n'a jamais pris. Alors que là, c'est quand même des joueurs qui connaissent la Ligue 2. Enfin, Bayala, Saki, ça jouait déjà en Ligue 2. Pour l'intégration dans le vestiaire, je pense que ce sera beaucoup plus facile et je pense qu'ils vont plus facilement créer. Mais il faut créer un truc quand même, tu vois, sur le terrain. Ça peut pas être pire que la phase aller en termes de tu vois, d'osmose et d'homogénéité dans le vestiaire, je pense. Donc, non, mais je suis pas sûr que ce soit si il y ait un gap si important que ça. Mais je pense qu'ils vont sauver, mine de rien. Ouais, après, pour moi, ça va. Ouais, je pense que ça va suffire à sauver avec Omar Daf en plus sur le banc, qui a l'air aussi de savoir bien. Mais là, c'est quand même un non-sens, faire 8 départs, 8 arrivées. Ça reste. Il y a quelque chose qui va peut-être se passer, c'est peut-être le retour des ultras aussi à Bonal. Ça va être un dossier important pour M. Lee. On a vu aussi Molo, ça va devenir rapidement le chouchou quand il a fait son. Malheureusement. C'est comme ça. Pour le moment, ça. Il a les célébrer au pied du virage. Après, c'est que ça peut vite tourner si pendant. Bien sûr, 5 bien mois, sûr. Mais c'est bien que ça commence comme ça. Mais c'est bien, non, tant mieux. Mais tant mieux, c'est clair. Mais pour le moment, ça, pas tout va bien, mais pour le moment, Sochaux est sur, repris une dynamique positive. Bah, clairement, c'était quand même pas donné, surtout avec toutes ces nouvelles recrues. Maintenant, il faut confirmer à Béziers. Et s'il y a victoire à Béziers, je pense que ça peut surfer sur cette dynamique-là, ça peut prendre dans le vestiaire. Et il y a un joueur à Sochaux, tout le monde parle de lui. Malheureusement, info, on vient de m'envoyer un petit message, il n'est pas sur la feuille de match parce qu'il a joué avec le U17. Ah, c'est Lucien. C'est Lucien Agoumé. Toute l'Europe le veut. Ouais. Bon, il est surveillé de très très près par de grands clubs français, notamment Pékinais. Pékinais, comme d'habitude. Et le FC Barcelone, on va regarder rapidement un peu son CV, c'est pas trop stat, 8 matchs, mais il n'a toujours pas signé pro. Ouais. C'est quoi gros contrat aussi. Là c'est... Stagiaire pro. Voilà. Aspirant. Contrat aspirant, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Contrat aspirant pour Lucien Agoumé. Milieu de terrain. Défensif, récupérateur. Box to box, un peu. Ouais, 8. Plus relayeur. Ouais. Technique aussi. Projet de bien. Beaucoup de qualité. En Europe, là, il s'affole. Je vois un peu. C'est un peu Tanguy. Un petit Tanguy. Nouveau Pogba, entre guillemets, tout. Ça s'enflamme. Ouais, elle est doucement. On l'a vu que 4 fois titulaire avec Sochaux. Oui, mais ça suffit pour attiser la curiosité des plus grands clubs, Sofiane. Non, mais Florian Maurice de Lyon, c'est pas une surprise que son terrain de chasse, l'un de ses gros terrains de chasse, c'est la Ligue 2. Il aime beaucoup ce championnat. Il a récupéré Touzard à Valenciennes. Il a récupéré Kemen aussi. Ndombele qui joue à Amiens. Ndombele joue à Amiens, exactement. Donc, tu as plein de petits mecs qui vont chercher comme ça en Ligue 2. Il y a beaucoup de joueurs de Lyon aussi qui sont prêtés en Ligue 2. Mateta, Del Castillo l'année dernière. Donc, c'est un championnat qui suit, bien évidemment. Et par contre, là, tu as quand même une concurrence super forte sur le joueur.
Ce qui joue en faveur de l'OL, c'est que son agent a dit qu'il voulait une étape intermédiaire avant de partir à l'étranger. Donc en gros, c'est soit Monaco, soit Lyon. Oui, après, je pense que pour le gamin, des trucs comme ça peuvent se calmer. Non, aucune chance. C'est aucune moins, chance. Moins réputé. Aucune chance. Oui, non, c'est Monaco ou Lyon. Non, mais et... ce que je veux dire, c'est pas forcément le top. T'as pas du Bordeaux, du truc comme ça qui. Ouais, Lille, peut-être. Mou. À la limite. Mais oui, je, aussi. Je ne suis pas, ils en parlent pas. Mais... Moi, pour le gamin, et franchement, c'est pas chauvin, je lui conseille d'aller à Lyon. Par rapport au club et la manière qu'il a de faire exploser les jeunes, je trouve que ce serait une bonne idée, d'autant plus que Lyon a besoin d'un joueur dans ce profil-là. Parce que t'as que Touzard, en gros, Ndombele Aouar, Cheikh Diop qui joue un peu moins. Donc il pourrait avoir sa place dans 2-3 ans. Est-ce que Ndombele va rester à Lyon aussi cet été ? C'est aussi une bonne question. Je lui conseillerais d'aller à un contrat aspirant jusqu'en juin 2020. On attend donc le... C'est possible qu'il signe au pro pour faire plaisir à son. Il le dit, il a l'air intelligent. Ouais, voilà, ce qui est bien dans le discours de l'agent d'un France Bleu. Justement, on va regarder une déclaration de son agent. Tu disais, Sofiane, le fait qu'ils veulent avoir une étape intermédiaire en France. Ça, déjà, ça prouve que. C'est un peu comme Nicolas Pépé à Lille, par exemple. Moi, ça me fait penser à ça. C'est que... Lucien ne se prend pas la tête. Ouais. Il n'est pas contre prolonger à Sochaux, mais il a des projets intéressants. Le Barça, aller à 16 ans là-bas, n'est pas le meilleur projet. Il est plus intéressant de choisir un projet intermédiaire en France, par exemple. C'est ce que tu disais, Sofiane. Oui, en plus, sur. Il a envie de signer. Je pense qu'il a envie de signer pro, d'avoir une plus grosse valeur ajoutée pour voilà, sauver un peu, pour sortir son club. Surtout que, juste pour préciser, le club étranger, OK qu'il aille à l'étranger, imaginons. Dans un club qui donne la chance aux jeunes. C'est une possibilité, j'en ai pas en tête là directement, mais surtout pas à Barcelone. Ouais. Parce que Barcelone, depuis quelques années, à part Alenia cette saison, qui est sorti du centre de la Masia, ils font très peu monter des jeunes dans leur équipe première. Ils recrutent beaucoup plus à l'extérieur qu'auparavant. Donc vraiment, le Barça, pour moi, c'est pas une bonne idée pour lui. C'est clair. Non, je pense qu'il le sait. Plus de ça. Non, mais j'ai vu Todibo y aller. Todibo, bye bye, t'inquiète pas, tu le reverras plus jamais. Quand il allait au... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais le Real Madrid, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Ils ont une politique avec les jeunes qui est différente, des jeunes joueurs, Ceballos, etc., qui jouent un peu moins, mais le Barça, non. Pour monter, c'est pas bon. Allez, deux codes boostés, ça concerne les buteurs, c'est dans Buteur Maison. On y va. Ça finit en. Sacré Sofiane. La première cote boostée sur les buteurs, elle concerne Clermont-Valenciennes. Oui, elle est belle. Florian Haillé, le buteur star des Auvergnats, qui passe à 2,15, Sofiane. J'adore quand ça passe de 1,90 à 2. T'aimes bien ? Ouais. C'est cette c'est la barrière mentale. Non, mais Florian Haillé, c'est très bon. Alors, 2 buts sur les 9 derniers matchs. Il est un peu il ralentit un chouïa, mais tu sens que ce soir, déjà, je vois Clermont, donc voilà, directement. Donc, je trouve Clermont, que c'est une belle cote. Large, avec large. Moins de buts d'écart. Bah attends, Clermont est à 1,40, il me semble. 45. Tu l'as à 2,15, buteur star de l'équipe, tous les jours. Surtout qu'il est servi sur des plateaux chaque fois, sur les côtés. Sur les côtés, c'est plutôt... Mais des centres de partout. Pereira, Lage, Honora. Ouais, franchement. C'est distribution de galettes, oui. Assurée. Et la deuxième, c'est Kevin Fortuné. Ouais, celui-là, c'est pour moi. Ça. Le Troyen, qui passe quand même à 4. Déjà, en attaquant gros point. Avantage, s'il y a un péno, il les tire. Exactement. Déjà, la semaine dernière. Vous écoutez, Lewin, ami. S'il y a un péno, c'est signé Dorian, c'est lui qui les tire. Donc, un mec attaquant d'une équipe qui tourne plutôt pas mal, à domicile, face au PFC, il est en pointe, une cote à 4, il tire les pénaux. Il tire les pénaux, c'est pour ça. Impliqué sur 7 des 10 derniers buts. Ouais, puis en plus, c'est quand même l'homme en forme de l'attaque de 3. Donc, elle est belle, hein. Elle est belle. Hein. Franchement, elle est 4, top. Elle est top, vraiment. Les deux sont bien, moi. Je vous conseille de les prendre en combiné. Eh bien, écoute. Ça fait une belle cote. Hein. Ça fait une cote à 8. 8,30. Ouais. On peut pas combiner booster. Ah, bah, chacun de ton côté, c'est très bien. Tu mets 5 euros, t'es bien. C'est pas mal. Ouais. La grille, les amis. On fait gagner de l'argent à nous. Allez, on va. C'est grillé. Sofiane n'a aucun respect pour le petit personnel de Winamax. C'est faux. Mais non, mais faut pas qu'on fasse les mecs trop sérieux. Oui, mais un jingle, c'est un jingle, tu respectes. Ça, on s'en bat les reins. Non, mais tu crois que faire... C'est le bar, on souille les jingles, okay, on souille tout. Et bah écoute. Yes, ouais. La grille, nous dit Duffman, voilà, machin. On y va. Le temps d'afficher tout ça. Grenoble... Connecté. Pardon ? Oui. Oui, oui. Dorian s'est connecté. À la maison, maintenant. Comme à la maison. Ah, pas possible. Grenoble-Orient. Elle est vraiment pas simple ce soir, mais non, du coup, elle se paye. Ouais, ce soir, elle est. Grenoble-Lorient, les amis. On va où ? En question. Nous, on voyait pas Lorient déjà. Nous. Ouais. Donc, à toi, tu voyais pas Lorient ? Non, moi, je vois plutôt nul. Oui, moi, je vois toi, Grenoble. Toi, tu vois Grenoble. Ouais. Donc, un N, peut-être. Restart, Gazélec. Je joue le Restart, moi. Ah ouais ? Okay. Gazélec, ils sont à l'extérieur, là. Ils ont battu Lorient et après, je sais plus, ils ont fait quoi ? Ils ont fait deux bons résultats à l'extérieur d'affilée.
Grenoble, non? Ils ont fait une match nul à Grenoble. Grenoble, ouais. Donc à l'extérieur, non. Ils menaient. Moi, je vois plus Gazelle avec moi, hein, au Red Star. Non? Peut-être N2? 1-2? 1-2? Peut-être. Sofiane, 1-2, ça te va? Putain, je vais pas dire ce que je pensais, du coup. Bah, je voyais nul. Tu voyais le nul? Ouais, je suis... On le met, on essaye de faire des économies plus loin. Béziers-Sochaux. Je verrais bien plus Sochaux, hein, sur la continuité. Ouais, allez, Sochaux. Béziers, c'est assez faible, hein, franchement. Oui, oui, Sochaux. Ça reste faible, mais est-ce que Sochaux va réitérer Ils ont l'habitude de jouer sur des bourbiers, Sochaux. Oui, de toute façon, le niveau... En effet, et ils sont meilleurs à l'extérieur depuis le début de saison, même s'il y a beaucoup de joueurs qui ont changé. Allez, Sochaux. Ça dit le 3, nul, machin. 3 PC. Ronny, c'était une blague, bien évidemment. Petit personnel, évidemment, c'était une blague. Ronny, il m'a dans le pif. Pourtant, il est gentil, Ronny, moi, je l'aime bien. Oh. Bah oui, faut être simple. Bah quoi? T'es pas du tout le même devant la caméra qu'au bureau. Jure, j'ai déjà taillé des Winami. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Ton tatouage. Avec la tête de Bosconnette. Non, c'est faux. 3 PFC. On clique sur quoi? Les PZ 3 en sec. Franchement, ça, ouais, celui-là. Mais ouais, 3 ouais, en sec. Ouais. Après, tu peux tomber sur un Gourbi. PFC, c'est super défense quand même. Ouais, nul ouais, peut déjà tomber, nul, faut le cocher. Après. Ouais, celui-là, il est dur. Hein. C'est pas simple, ça. De toute façon, c'est ça. Si l'argent était facile à gagner. Ouais, c'est clair. Nancy-Châteauroux, là, on met une seule croix. Moi, je vois bien Nancy. Moi aussi. Ouais, Nancy. Ouais. Dembélé, il est. Malali. Ouais. Il est blessé, non? Il a pris un rouge à Metz. Oui, exact. Il a pris combien de matchs? Je sais plus combien de matchs il a pris. Ça, c'est l'interrogation. Nancy, allez. Orléans-Le Havre. Oh, sa race. Est-ce que Kadewere joue? Oui. S'il y a Kadewere, je mets... Moi, je vois bien Le Havre. Le plus important, c'est Kadewere. Ta seule issue, c'est Kadewere. Je mettrais bien N2. N2? Ouais. Et Dijon-Marseille? Voilà, je te laisse. Dijon! Je te laisse. Non, mais tu sais que c'est le moment de faire sauter les gens. Franchement, ouais. Un ou deux. Ouais. Bim. Faut la tenter. Cote à 4 pour Dijon ce soir, je ne la vois pas. Mais ça peut permettre de faire sauter. Balotelli joue là. Je trouve que la compo marseillaise est pas mal. On va faire 4-4-2. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Thomas, ouais, mais faut la tenter, Dijon. Sinon, la grille ne payera pas, nous dit notre ami Châteauroux sec. Ça, c'est un fan de Nicolas Ouzry, ça encore. Pourquoi il y a un maillot de Bordeaux derrière, d'ailleurs? Pardon? Pourquoi il y a un maillot de Bordeaux derrière? Bah, il y a le logo Winamax. Ah ouais, c'est rien à voir avec la Ligue 2. Ceci étant. Sinon, c'est un maillot Manchester City. Ceci étant, Bordeaux est la 19e équipe de Ligue 1 en 2019. Et Marseille serait barragiste. Exactement. Voilà. Ce serait beau, Bordeaux-Marseille en Ligue 2. Je peux te donner un petit compliment par rapport à ton club. Dis-moi. Marseille est au-dessus de Bordeaux, quand même. Oui. Bordeaux, c'est vraiment horrible. C'est ça. Voilà, on n'est pas là pour parler des belles équipes. Non, mais j'anticipe la prochaine émission Ligue 2, là, enfin l'année prochaine. Nicolas, à combien, là, la grille, là? Elle est à 72. On peut laisser, ouais, ça nous parlait de Châteauroux en sec. Tu veux pas enlever une croix à Red Star Gazelec sinon? Moi, ouais, je suis d'accord avec lui. T'enlèves lequel? Moi, Gazelec, j'enlève, non? T'enlèves Gazelec? Moi, je veux dire, à l'extérieur, c'est vrai. À l'extérieur, elles sont pas mal. Allez, vas-y, enlève Red Star. Okay. Ou alors on enlève le nul. Tu veux pas enlever le nul plutôt? Au cas où? Et on met sur Châteauroux à Nancy. On peut mettre sur Châteauroux à Nancy. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Allez, ouais, je suis bien là. Les amis. Attends, par contre, on a posé nos couilles, pas de Lorient ce soir. Ouais. Pas de Lorient. Ouais, mais ça peut faire sauter. Elle dit Claude Maurice, machin. Ça bah, le Goff, j'ai vu aussi sur le chat, je crois que le Goff est pas là aussi. Ouais. J'avais oublié. Bah, allez, non, c'est bien, c'est bien. Pas de Claude Maurice. Elle peut payer très cher. Grenoble, c'est quoi aussi? Bah ouais. Franchement, si Dijon. Si ah, mais non, elle est à 96 euros. Ah, merde. Un peu trop cher. Ah, ouais, bien sûr. Bien sûr. Enlève PFC, non? Ou enlève PFC. Enlever PFC en vrai. Ouais, je suis d'accord. On écoute le chat, 64 euros, c'est parfait. Hop, 5 euros. La grille de Domounegou ne clique pas. Va être en ligne. On va vous mettre sur le chat. Moi, je lève les mains. J'ai rien fait. J'essaie de pas la bouger. Ouais. L'Argel, vous avez vu. Là, tu l'as bougé. C'est pas évident. Voilà. Ah, tu l'as bougé. Ouais, mais tu peux prendre la souris quand même. Voilà. Excellent. Regarde ce qu'ils nous font faire, l'Argel. Là. Des connards qui sont en train de cliquer, qui voient rien à l'écran. J'avoue, c'est honteux. Laissez-nous cliquer. C'est ridicule. Putain. Liberté voilà. Pour les cliquer. On va vous mettre le lien du... Argel, donc. J'oserais pas. On va. Il y a déjà Scrabit qui a mis ses petits 5 euros. Il était là sur le chat. Merci à toi. On va vous mettre le lien de la grille sur le chat. Le temps pour nous de passer à la commande d'XXL2. Ah non, c'est pas ça. J'ai cru que c'était le jeu des boîtes. Excuse-moi. Je suis complètement perdu. Je suis perdu, mon pote. Okay. Excuse-moi pour ton émission de grande qualité. Mais elle démarre pas mal, en espérant que... Allez, ouais. Les Mortal Kombat de la semaine dernière. Qui a gagné beaucoup d'argent grâce à la Ligue 2? Eh ben, laisse... Mélou. 67-260, il a passé une cote au calme à 337.
avec 1 euro, avec le camp booster, il remporte 362 euros sur 5 matchs nuls. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il fait ? On n'a pas mis beaucoup dans la grille, mais bon, ça peut être changé. Mais c'est magnifique, ça. 5 ouais. matchs nuls, notamment celui du Red Star Auxerre. Grand respect pour les mecs qui avaient 5-6 matchs en Ligue 2 comme ça. Ah, c'est tellement improbable. Le lien, on va vous le mettre. Vous inquiétez pas sur le chat, il y a déjà 19 euros récoltés. Comme quoi, là, certains le trouvent. C'est Domonegu 17. Ouais. Deuxième Mortal Combo. On enchaîne avec deux matchs nuls, celui de Niort face à Nancy et Châteauroux-Grenoble. C'est Uzis qui rentre une cote à 103. Sochaux face à Clermont, c'était une cote quasiment à 4, fallait le trouver. Celle-là, elle est belle. Et le match nul entre Havre et Brestois, qu'on avait plus ou moins pronostiqué sur ce plateau. Oui. 10 euros, une cote à 103 avec le combo booster. Par contre, on avait 1090 euros. Enfin, moi notamment, je sais pas vous, mais j'avais vu Clermont à Sochaux totalement. Moi, j'avais prévenu sur la pelouse. Ouais, c'est vrai. Mais de là à gagner Sochaux, non. À l'égalisation, on aurait pu penser. Ouais, j'aurais plus vu nul, quoi. Code killer, il y en a 3 cette semaine, ils sont très beaux. Les code killer Ligue 2, on va regarder ça à l'écran. Vini 25,77 qui met quasiment 8 euros sur Sochaux gagne et les deux équipes marquent à 8,50, quasiment 70 euros. Bravo à lui. On enchaîne avec le code killer suivant. Il s'agit de lequel ? On va le voir. Le code killer, le deuxième, ça va arriver. C'est le score exact 0-0 entre le Gazélec et Valenciennes. Oh, elle est belle. 50 euros quand même. Euros, ouais. 50 euros. 50 euros. Une cote à 8,50. Bravo à Babax qui c'est repart. C'est incroyable ça. Avec quasiment 400. Tu vois la qualité des défenses des équipes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, c'est bien joué Babax. Ouais, bravo pour vos gains. Vous êtes très, très, très bon. Et le dernier code killer, le score exact en avant-match 3-0 pour l'instant. 40 euros sur un 3-0. 40 euros. C'est bien joué. Sur une cote à 8,50. Bravo God02 qui part avec 340 euros. Félicitations à lui. Sofiane, ouais. Tu fais part de ta petite commande. Ouais, allez, on va l'afficher ta commande. J'ai pas été bon la semaine dernière, j'espère faire un peu mieux que 1 elle sur était 4. Grosse la cote. Hein. Ouais, elle était grosse. 31 là, la cote à 17 quasiment. Ouais, sur du un peu plus plat. À 2 minutes. Ouais, clairement, 1,45 Valenciennes. J'ose espérer que c'est vraiment la base Paris du soir, ça me paraît évident. Par rapport à la forme de Clermont. Nancy Châteauroux, plus de 2,5 buts, parce que ce sont des équipes qui prennent des buts et qui sont remis à marquer dernièrement. Mmh. Donc la cote à 2 me paraît pas mal aussi sur cette rencontre, avec des défenses fébriles. Kevin Fortuné, on l'a dit, impliqué sur 7 buts sur les 10 derniers de 3 face au PFC. Jolie cote qui est à 4, d'ailleurs, en boosté. Hein. Et Red Star face à GFC Ajaccio, nul mi-temps, tout simplement, parce que c'est le Red Star, et tout simplement parce que c'est Ajaccio. Et que c'est à Beauvais. Bon. Voilà. Allez, juste avant de passer à l'interview, la question de sélection pour votre jeu à prendre ou à bêter. Le jeu des boîtes, il y a 100 euros à gagner. La semaine dernière, 50 euros. La semaine d'avant, 100 euros. Ça gagne pas mal d'argent. Cette question, le fils d'un rappeur célèbre vient de signer dans le centre de formation. La Gigue Auxerre. Mais quel rappeur, pour une exclamation quiz, le nom du rappeur, son pseudo. C'est pas Vianney. Le fils d'un rappeur célèbre vient de signer dans le centre de formation de la Gigue. Et là, notre ami rappeur à la signature, les photos sont très drôles. Voilà, allez chercher ça sur Internet. Très bon joueur, Jean-Michel Necfeu. On passe à l'interview. Quiz Jules. Et cette semaine, est-ce qu'il est là, notre ami Rémi Dugimon ? Oui, et ben voilà. Je vous entends. Salut Rémi, merci d'être avec nous dans XXL2, attaquant de la GOCR. Comment ça va, Rémi ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce qu'on va juste essayer de mettre le retour en studio, s'il vous plaît, comme ça Non, mais on l'entend un peu loin. On entend mieux les réponses de notre ami. Donc, 16 matchs cette saison, Rémi. Déjà, 2 buts, c'est déjà pas mal. Avec la GIA, comment vous évaluez vos premiers mois avec votre nouveau club ? Bah, pour l'instant, c'est un peu mitigé parce que c'est vrai que je suis arrivé sur le tard par rapport au mercato avec quelques autres joueurs. Et voilà, c'est vrai que je me suis blessé rapidement dès le mois de septembre. Donc, du coup, j'ai pas pu enchaîner. Donc, après, c'est vrai que je suis revenu à partir du mois d'octobre où j'ai pu faire quelques matchs en tant que titulaire. Donc, ça m'a fait du bien. Et après, c'est vrai que j'ai rechuté au mois d'octobre-novembre, là. Donc, du coup, voilà, je reviens gentiment. Là, tout se passe bien. Il n'y a pas de pépin physique. Donc, voilà, je pense qu'il y a encore possibilité de mieux faire par rapport à mes 6 premiers mois ici. Donc, voilà, je me sens bien. Donc, voilà, je suis opérationnel. J'imagine aussi que le bras de fer cet été avec le Clermont Foot, ça a peut-être pas aidé dans votre préparation. Bah, c'est sûr que c'était pas les meilleures dispositions pour rejoindre le club, mais bon, voilà, ça a été entre guillemets un choix, donc il a fallu faire avec. Après, c'est sûr que j'ai fait une préparation un petit peu tronquée du coup du côté de Clermont. Donc, quand je suis arrivé ici, il a fallu me remettre à 100%. Donc, ça a pris un peu de temps. Et puis voilà, après. Voilà, je ne regrette pas du tout mon choix, je suis très heureux ici, je me sens bien maintenant, donc voilà, j'espère que le meilleur est à venir.
Et il y a un homme, j'imagine, qui est très heureux de vous avoir dans son vestiaire, c'est Pablo Correa, parce que si je ne dis pas de bêtises, il vous voulait aussi à Nancy. Il vous retrouve cet été du côté de la GIA. C'est quoi votre relation avec le coach? Ouais, c'est ça. C'est vrai que déjà, l'année passée, il y avait eu des petits mouvements au mercato lorsqu'il était à Nancy. Donc là, c'est vrai que ils sont revenus à la charge avec la GIA cet été. Donc voilà, non, je sais que le coach aimait mon profil, qu'il avait vraiment envie que je rejoigne son équipe. Donc voilà, son discours aussi, forcément, je vais dans la balance pour que je signe ici. Les amis sur le chat, hein, n'hésitez pas à poser vos questions à Rémi. On vous donnera un petit peu de free bet si vos questions sont pertinentes, bien évidemment. Il n'y en aura pas. Vas-y, tu peux continuer tes questions qui sont très bonnes. Merci beaucoup. Bon, Rémi, est-ce qu'Auxerre peut accrocher les barrages? Il y a un gros resserrement sur le haut du tableau. Est-ce que, dans l'intimité du vestiaire, les barrages sont envisagés? Bon, envisagés, oui et non. Après, c'est sûr que bon, on est dans une période très compliquée en début d'année où on était vraiment au bord de la zone rouge. Donc voilà, entre temps, on a réussi à faire une grosse série qui nous permet de prendre un petit matelas par rapport aux équipes de derrière. Et c'est vrai que maintenant on regarde devant. Donc on a fait malheureusement deux résultats très moyens les deux dernières semaines qui nous empêchent un petit peu de nous rapprocher. Mais bon, voilà, faut qu'on arrive à refaire encore une série parce que. C'est vrai que là, devant, ça a piétiné un petit peu lors des dernières semaines, mais c'est à nous aussi de mettre le rythme et d'enchaîner pour qu'on puisse revenir. Très bien. Et justement, la série, elle peut recommencer lundi. Par contre, c'est un déplacement à Brest. On va vous mettre les cotes à l'écran pour nos amis Winami. Comment vous l'envisagez, ce match? Comment vous l'avez préparé? Comment vous le sentez? Pas simple d'aller à Brest. Ah non, jamais simple, forcément. C'est une équipe qui est en pleine forme. C'est être leurs joueurs offensifs qui sont en pleine forme aussi. Donc, il va falloir être très prudent. Après, on sait qu'aussi, on a énormément de qualité dans notre effectif. C'était un peu une victoire un peu similaire qu'on avait fait à Metz, qui était un peu fondatrice pour la suite. Donc, on espère qu'on va réussir à faire encore une grosse victoire ou du moins un bon résultat lundi pour reprendre de la confiance et pour remettre la machine en marche, parce qu'on en a besoin maintenant. On n'a pas plus forcément de temps à perdre si on veut recoller aux équipes de tête. Donc voilà, on est respectueux de cette équipe, mais en tout cas, on y va avec des arguments. Et à SoFoot, j'ai lu une interview de SoFoot. Vous avez déclaré « Je viens du monde amateur et en comparaison, la Ligue 2, c'est le grand luxe ». Qu'est-ce que vous vouliez dire dans cette phrase? C'est plus facile de jouer en Ligue 2 que... dans le monde amateur? Non, je crois qu'il me parlait, quand j'avais fait cette interview, je crois qu'il me parlait par rapport au système de soins, au système de récupération, la qualité des terrains, etc. Donc, je crois que c'était par rapport au stade, en fait. Donc, forcément, quand vous passez du monde amateur où j'évoluais en régional, en région parisienne, au stade de Ligue 2, forcément que c'est complètement différent sur les systèmes d'accueil, etc. Mais c'était pas. Enfin, du moins, ça n'avait rien à voir avec l'argent proprement dit. C'était juste par rapport aux installations et tout ce qui a été mis à disposition des joueurs de Ligue 2, en fait. Et c'est votre sixième saison, je crois, en Ligue 2 cette année. Vous jugez comment, justement, ce championnat, vous qui évoluez dans ce championnat depuis un petit moment? Le niveau s'améliore, il y a de belles équipes dans ce championnat. Comment vous le jugez? Toujours. C'est un championnat qui est passionnant. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui s'intéressent à ce championnat parce que c'est vrai qu'on se rend compte tous les week-ends que toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Donc voilà, c'est un championnat passionnant. Alors après, c'est vrai que c'est connu aussi pour être un championnat qui forme les jeunes éventuellement pour qu'ils puissent rejoindre l'élite. Donc voilà, c'est un championnat de passage entre guillemets. Après, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns aussi qui restent en championnat pendant une dizaine d'années. Mais non, je pense que c'est un bon championnat. Voilà, c'est une belle antichambre de la Ligue 1, des belles équipes, des beaux stades. Après voilà, il y a beaucoup de buts, c'est souvent spectaculaire. Il y a souvent des scénarios un peu fous en fin d'année, donc je pense que c'est tout ça qui fait que c'est un championnat qui est attrayant. Sofiane. Oui, bonsoir Rémi. Dans le chat, on nous demande, c'est Breakpock99 qui nous demande ça, quelle est l'équipe la plus dangereuse du championnat selon vous? Il n'y a pas forcément de surprise. C'est surtout les équipes de tête. Alors, on a déjà joué Metz, on les a battus chez eux, mais ça reste une belle équipe. Et puis, en l'occurrence, c'est Brest aussi qui... voilà, ils ont le meilleur buteur du championnat. Il y a Autret derrière qui fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les deux équipes à se méfier. Après, il y a mes anciens collègues de Clermont aussi qui font une belle saison. C'est une équipe aussi qu'il faut se méfier. Voilà, ça fait pas mal d'équipes, mais c'est sûr que l'équipe de Brest est favori avec Metz pour aller au bout cette année. Rémi, une question de Dorian
du journaliste Malik2.fr. Bonsoir Rémi. Quand on voit la qualité de l'effectif sur le papier de la JOCR en début de saison, comment expliquer que ça a mis autant de temps à vraiment bien tourner? Il y a eu le déclic, la victoire à Metz, c'était le début de la belle série. Voilà, comment expliquer que ça a mis autant de temps? On attendait Auxerre directement, on va dire, dans le top 5. Voilà, de l'intérieur, comment vous avez vécu ce début de saison un peu compliqué sur le plan collectif? Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros effectif en termes de quantité et de qualité. Après, c'est vrai qu'on a été surpris par le début de saison. C'est vrai qu'il y a eu des gros investissements qui ont été faits au club. Et après, voilà, en termes de foot, il n'y a pas tout qui s'explique non plus. Nous, on n'était pas tout à fait arrivés encore, mais ils ont fait quelques défaites qui leur ont fait mal apparemment. Et puis après, je pense que c'est aussi un problème de confiance. Problème de confiance avec pas mal de nouveaux joueurs, tout ça fait qu'au final les matchs sont arrivés et on n'a pas réussi à trouver des solutions. Après, c'est vrai qu'heureusement qu'on a su relever la tête à Metz là-bas, qui a été une victoire fondatrice pour la suite. Mais c'est sûr que pour l'instant on c'est pas fini, il reste encore 4 bons mois pour rectifier le tir. Mais c'est vrai qu'on paye un petit peu notre début de saison raté, même si on a fait une grosse série. Voilà, on voit que les points qui nous manquent là, si on avait un petit peu plus en début de saison, ça aurait pu être autre chose. Mais bon, voilà, rien n'est perdu et on a vraiment envie d'aller au bout. Rémi, dernière question. À 32 ans, est-ce que Auxerre, ça ressemble pas un petit peu à la dernière chance pour essayer d'aller voir un peu plus haut? Bah, ça fait partie de mes projets quand j'ai signé ici. Hein. C'est sûr que, sans manquer de respect à Clermont ou quoi, c'est sûr que voilà, le projet d'Auxerre est de rejoindre la Ligue 1 à court terme ou moyen terme. Donc, c'est sûr que ça a été important dans mon choix et j'espère qu'on le fera rapidement. C'est sûr que, voilà, en tout cas, on voit bien que le club, il met tout en place pour que ça se fasse. Voilà, ils ont tout refait les infrastructures, ils ont recruté de très bons joueurs. Donc, voilà, j'espère que ça va se faire rapidement. Très bien. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir été avec nous dans XXL2. On vous souhaite bon courage pour votre déplacement à Brest. Lundi. Bonne chance. Bien sûr, bonne chance. Plein de buts. Et pourquoi ce serait pas Brest qui galérerait lundi? Mais c'est voilà, ce que je fais. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. À bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, Rémi. Ciao. Au revoir. Cote à 4, elle est pas mal. Merci à vous pour le chat. Vous avez posé des belles questions. J'avais bien envie de les relayer. Il y a des trucs. J'ai failli taper un fou rire sur une question. Non, le truc de la chia, c'est tellement gratuit. Ça marche toujours. Dépité. Bon. On a un beau public, il faut savoir le respecter. Et bravo. Après... Désolé, on n'a pas relevé. Mais Breakpoc, il récupère un free bet. Breakpoc, voilà, c'est une Breakpoc 99, on va lui donner 5 euros, c'est une question. C'est une question, on va pas abuser. Allez, 50 balles pour toi. On va 1000. Merci. El Cervecero qui a répondu Joestar. Et oui, le fils de Joestar est dans le centre de formation de la GIA. El Cervecero, mets-toi à côté de ton téléphone, tu vas pouvoir gagner 100 euros peut-être. C'est d'en apprendre ou à BT. Je peux juste... Ouais, bon. Qu'est-ce que t'as? Ouais, j'ai dit une saucisse tout à l'heure. J'ai dit Mergy, le buteur de Grenoble. Chalek, merde. Cher Guy. Qu'est-ce qu'il nous fait, le mec? Ça va? Tu vois pas que c'est une émission Sept. Sérieuse? Ah, moi, je suis venu pour le foot US. Ah non, fais gaffe, ton t-shirt est trop grand. D'accord, ouais. Oui, c'est le problème. Pourtant, c'est du S. C'est le principe d'un... Ouais, non, mais c'est les Américains, ils ont vraiment un souci. Eh, le principe d'un maillot de foot US, tu mets une armure en dessous, Sofiane. Donc, Ouais. L'avantage, c'est que je suis un peu code de stock. Donc allez, on va faire vite, Lucas. Petite promo de la Win a Night. On t'est prêt. Allez, Philadelphie, Denver, c'est le retour de la Win a Night ce soir. La semaine dernière, donc on était triste. Ouais. Donc voilà, on a deux personnalités. Et... Sixers FR sur Twitter. C'est quoi son prénom, Six? Six, ouais. Ou FR. À voir. Et on aura le boss de Q Basket, Jérémy, qui sera avec nous aussi. Ah, Jérémy est là. Il vient de Marseille, c'est un Marseillais. Il fait le déplacement. Terre de basket, oui, il y a des clubs. Qui est à Fos? Il y en a, Fos sur Mer, bien sûr. Une amie qui joue là. Et il y a Marseille aussi qui commence à être c'est pas mal en basket. Ce serait temps de changer de sport. Ils ont bien raison de. Oh, il y a Daniel Louya. Ouais, j'adore. Daniel. Allez, barre-toi, s'il te plaît. Putain, tu nous gâches le moment. Allez, je me barre. Ciao. On regardera pas ça. On met la petite musique. En attendant, est-ce que notre ami, il est là ou pas? Allô. Ouais, il est là. Luc, c'est quoi ton prénom? Simon. Pardon? Simon, j'entends pas trop. Juste, on peut remonter, on peut mettre un peu plus fort notre ami Simon. Simon, tu connais le règlement, la règle du jeu?
Ouais, je connais. Et ouh, ça sent le mec qui est là, il est trop content de pouvoir gagner 100 balles. Ouais, j'attendais. Tu l'attendais? Bah écoute, on va espérer que tu sois aussi heureux que nos deux précédents joueurs. L'agenda est toujours pas tombé. Tu peux gagner rien, 1 euro, 2 euros, de la sauce tomate, 15 euros, un agenda, 35 euros, 50 euros, 75 euros et 100 euros. Il t'a vraiment de la sauce tomate? Ouais, elle est bonne. Ah, moi, la sauce tomate, c'est cool. Hein. Ouais, elle est déjà tu veux quelle boîte, Simon? Moi, je veux la 7, s'il vous plaît. La 7. La 7, c'est bien, la c'est un chiffre porte-bonheur, tu as raison. Tiens. Ah ouais, c'est mon chiffre. Ok. La 7. Bon. Non, tu regardes pas. Mais si. Ok. Si je veux faire chaque. Ah oui, tu veux faire Lionel? D'accord. La 7 pour. Merde, pardon, son prénom. Simon, excuse-moi. Oh, j'ai la tête qui part en vrille. Allez, on ouvre 3 boîtes, s'il te plaît, Simon. Tu choisis. La 10. La 10? Ok, elle est pour. Prends-la dans le bon sens, par contre, c'est Hermione. Oh. Attention, je me suis fait avoir par le. Partie d'Orient. Allez, hop, ça commence bien. Un agenda. Ce soir, je la sens bien. Il n'y aura pas d'agenda du LOSC. Deuxième boîte, s'il te plaît. Oh, quel dommage. La 2. La 2. La 2. Confiane. Ne sois jamais arrogant avec les boîtes. Ouais. Elles peuvent te. Il y a Lionel qui va taper. 3, 2, 1. Oh là là, oui, ça commence très bien. Enchaîne. La sauce tomate est tombée. Enfin, je pensais que t'allais l'étaler, moi, dans le. Troisième. Non, faut jouer la sauce tomate. Troisième boîte. La 1. La 1. Ah, c'est pour moi. Oui, c'est, ouais, c'est la 1, hein, tu m'as dit. Ouais. La 1. 3, 2, 1. Ouh, aïe, aïe, c'était trop. Bon, il n'y aura pas les 100 euros aujourd'hui. 100 euros. Ah, dommage. Aïe. Désolé. Ah, le bâtard. Lionel. Salut Lionel. T'es blessé pour Lyon? Excellent. Très bien. Eh bien, écoute, je transmets à notre ami Simon. Et dans le chat, on se moque pas. Hein. Attention. Simon, il sait ce qu'il a dans, ce qu'il y a dans ta boîte. Il te propose d'échanger. Ouh, direct. Tu veux échanger ou pas? Ah, il veut échanger. Échanger? Non, je garde la tête. Ok, bon. Écoute. Eh bien, écoute. Bille en tête. On y va. Allez, 3 boîtes. La 3. La 3. La 3, c'est pour moi. Sofiane. Allez, 2, 1. J'ai un peu galère, excusez-moi. 15 euros. Ah, on est plutôt pas mal. On enchaîne. Ouais. Il reste la 9, la 8, la 6, la 5 et la 4. La 9. La 9. Dorian, 3, 2, 1. Aïe. Donc tu peux gagner maximum 50 balles, on va essayer de les viser. Bon, hein, chacal, il peut proposer 100 balles. Hein, ouais, c'est vrai, ouais. Il a le droit. Ça fait combien de boîtes là qui ont été ouvertes? Bah, il y aura 5. Encore une. Encore une, 6, Simon, 8. Avant l'appel du chacal. 4, 5. Il reste à combien? 4, 5, 6, 8. La 4. La 4. On la 4. 3, 2, 1. Il reste 50. 35 euros, il reste 50 ou pas grand chose, on va pas se mentir. Oh, ça sent, ouais. Ça sent la merde. Ah, ça sent la merde. Aïe, il se marre au téléphone, il se marre. 50 euros, 2 euros, 1 euro ou rien. Ok. Je transmets. Merci beaucoup. 20 euros, qu'est-ce que tu fais? 20 euros de free bet. Il est sympa, 20 euros. Il est sympa. 20 euros. Bon, allez, je prends. Ouais. Eh ben écoute. Ah, ça sent la vie. 20 euros. Franchement, il est gentil. Non, mais j'avoue, Lionel était de très bonne augure. C'est un supporteur déjeuner, Lionel. D'accord. Moi, je lui aurais donné 10. Eh ben, écoute, 20 euros pour toi. On regarde ce qu'il y avait dans ta boîte numéro 7, quand même. À ton avis, Lionel... Qu'est-ce que tu avais dans ta boîte, Simon, il y avait quoi dans ta boîte? Il y avait 2 euros, moi. Je connais pas. À mon avis, il y avait le rien. Il y avait rien, toi. Il y avait rien. Ben, on va regarder. Mais quand on t'a proposé de changer... 3, 2, 1... Ah, ouais. Ben voilà, il y avait rien dans ta boîte. Tu repars 2 euros. Ouais, quand on vous propose de changer, c'est souvent bienveillant. Parfois, c'est bâtard, mais là, au début... Ouais, parfois, c'est pour ça. T'as bien eu raison, Léon. Eh bien, écoute, bravo à toi, Simon. On va te créditer ces 20 euros de free bet. Fais-en bon usage, continue à nous regarder. Et puis, ouais, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle soirée, Simon. Salut. Salut, Simon. Ciao. Bonne soirée. Et voilà. T'es sympa. Gentil. Moi, je suis d'avis, tu vois, qu'on soit de plus en plus bâtard. Plus les émissions passent. Vous avez écouté les Winami? Non, mais c'est pour qu'on rigole. Il veut pas que ça gagne. Il y a 15 jours, les 100 sont... il avait 100 euros dans sa boîte, j'ai proposé. Le chacal a proposé d'échanger. Oui, c'est vrai. Là, mais c'est pas contre eux, c'est juste que c'est plus marrant de voir quelqu'un gagner 1 euro. Oui, la sauce tomate. C'est sûr. J'avoue, j'aurais pas pour l'agenda. Merci Dorian. Ben, merci à bientôt. Merci on va... Je sais pas si la grille a été validée, on va essayer, il nous reste. Allez, 10 secondes. On va aller voir ça, mes grilles. Pam, chargement. Elle est validée.
Et ben, au top. Super. Sofiane, on se retrouve dans une heure avec Darren. Inch'Allah. La deuxième nouvelle tournée de Darren. Ouais, ouais, il y aura une code boostée exclusive pendant l'émission et maintenant c'est le JDE. Et tout de suite, c'est le JDE, exactement. Avec Kinshu et toute sa bande. Restez bien connectés sur Winamax TV. À Salut. Toutes.